perle, elle vit sa meilleure vie. Perle, est-ce que t'as souhaité un joyeux et heureux anniversaire à ta maman? 30 ans. Ce matin, elle a fait ouf, 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 ouf. Tu dis bon anniversaire, maman? Bon anniversaire, maman. Happy birthday, maman. C'est mon réveil de mes 30 ans. Ça y est, c'est mon anniversaire. C'est vraiment un réveil détente. Bébé Milo, il est gardé par mes parents. Donc, du coup, il n'y a pas de spies ou de quoi que ce soit. Non, là, c'est vraiment détente. Bon, ça fait quoi d'avoir 30 ans, mon amour? J'ai trop le seum. Non, ça va. Bah, j'ai le seum. Je suis dégoûtée. Après, t'as 30 ans, tu vas avoir deux enfants. Pas comme si t'avais 30 ans et tu vivais encore chez tes parents et tu te remettais en question. Ah non, j'ai deux enfants, j'ai un futur mari, j'ai un chien incroyable, des amis super. Et une crois famille pas. Un futur mari, un chien incroyable. Non, un mari incroyable et un super chien. Hé, Perle. Dans ma vie. C'est vrai que j'ai 30 ans, mais je me réveille au chevet du plus bel homme que je peux imaginer. J'ai un bébé dans mon ventre qui va bientôt naître. Enfin, j'ai beaucoup de chance et je m'en rends trop compte. Du coup, tu veux faire quoi pour tes 30 ans, mon amour? Non, mais moi, j'ai prévu un peu la journée. C'est vrai? Ouais. Laisse-toi guider. C'est surprise. C'est quoi? Tu verras. J'ai peur des surprises. Je t'ai fait aussi un petit cadeau. C'est vrai? Ouais. Entre les mains de Joe, je suis toujours en totale confiance. Il a des bons goûts, il sait me mettre en valeur. Du coup, je peux lui faire confiance les yeux fermés. Ta-da. Oh. 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 Wow. Magnifique. Hey, attends, t'as pas vu ce qu'il y avait dedans aussi avec? Non. J'ai pris le porte-monnaie avec. Wow. Ah. T'es contente? Oh, merci, mon amour. On a rien. Ça me fait trop plaisir, les petites attentions de Giovanni à chaque fois. Et là, pour le coup, il a tapé en plein dans le mille. C'est qui? Je sais pas. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Elle n'est pas au courant? Voici ton maquilleur et ton coiffeur pour aujourd'hui. Non. Si. Grande surprise, c'est un maquilleur-coiffeur. Waouh, j'ai trop de chance. Joe, il sait que je sais pas trop me mettre en valeur. Enfin, je me plains toujours, je sais pas me coiffer, je sais pas me maquiller. Et là, pour mon anniversaire, il a décidé de faire de moi une princesse. Et ça, ça me fait trop plaisir. Alors, mon amour, le vêtement aujourd'hui, t'as une robe. Christophe, c'est celui qui est très belle, la photo qu'ils ont fait toutes les mamans en France. Ouais. En groupe, que maman. Et ben en fait, c'est lui qui les avait habillés. Donc je l'ai contacté parce que j'adorais. Et il a fait une robe un peu sur mesure pour toi. Non. Si. Franchement, qui a ce genre de mari qui pense à tout ça? Enfin, vraiment, je suis gâtée. Bon, après, je sais pas c'est quoi exactement la surprise derrière. J'ai hâte de voir. Tadam! Oh, c'est sublime. Enfin, moi, j'ai adoré. J'espère qu'elle va aimer parce que. Et en fait, l'avantage de cette robe, mon amour, c'est qu'on verra... C'est qu'elle est extensible. Et qu'on verra ton bidou. Et il y a ça en dessous pour qu'il cache les couleurs nues de leur peau. Elle est magnifique.